En fait, c'est considéré comme une forme un peu légère du théâtre, souvent c'est chez les gens, c'est pour ça. Alors que ça devrait tellement être autre chose. Mais le Café de la Gare, par exemple, c'est une formule libre, c'est une formule ouverte, gay. Chacun d'entre vous se prend une couleur sur la roue. Toujours prêt à tricher le plus possible. Et oui, je suis pas terrible. J'adore ce qu'il me sort. Votre couleur va tomber sur un chiffre entre moins 1 et 20, et ce chiffre, au scandale, va être le prix d'entrée. Moins 1. Vous avez le droit d'échanger les rondelles entre vous. C'est vous qui veux ma rondelle. Vous êtes responsable de votre prix d'entrée. C'est le violet qui triomphe. La couleur va au centre. Le vert. Alors je voudrais savoir comment vous vous débrouillez. Non, bien sûr, c'est qu'on n'arrive pas à se foutre dans le crâne qu'un truc. On se dit, bon, il y a quand même, c'est une coopérative, c'est quand même une association, c'est quelque chose. Non, ça n'est pas. Il y a un chef. C'est systématiquement, en bordel, il n'y a rien d'écrit qu'on doit respecter. Tu vois. Si un soir il ne vient pas, GG, ben, on n'a qu'à fermer notre gueule. On pourra lui dire, t'es pas venu, tout ça, mais on ne sera pas plus avancé. Il dira, non, ah, pardon, je ne suis pas venu. Tu comprends? C'est comme ça. Mais dans les fêtes, ça en est une. Bon, bah, comme ça, au niveau copain, mais. Ben, ça change tout. Ouais. Ben, mais d'accord, ça, je suis bien témoin. Il y a des lois, il y a des pourcentages de gains, de bénéfices, des machins, tout. Il faut que ça soit écrit. Et là, si c'est pas écrit, ça change tout. Mais dans le boulot, comment tu travailles? Comment vous travaillez? Comment vous travaillez? On travaille pas. Non, on travaille pas. Je m'engage tout de suite. Parce qu'il y a des gens dans la salle. Il y en a toujours un qui est bien. On commence toujours un truc, c'est très 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 mauvais parce qu'on l'a pas répété. Puis ça finit par devenir un peu meilleur. Parce que je suis vachement modeste. Parce que à force de le répéter devant les gens, à force de le jouer devant les gens, on finit par trouver des tas de trucs. Puis comme évidemment on n'a pas de critiques qui sont venues, qui nous ont massacrés au départ, on a le temps de se remettre sur nos cannes. Qu'est-ce qui les écrit, les sketchs? En général, c'est tous moi, mais... Mais c'est justement, il y en a un qui écrit, il y en a un autre qui écrit, et puis comme l'autre, il reprend d'abord ce qu'on dit les autres, et puis c'est déjà fait avec ça. Et puis il y en a un qui n'est pas content, alors il refait le sketch, il leur passe, et puis les autres, ils n'en veulent pas, et ça foire, ou ça marche, alors... Moi, j'inspire. Notre grand regret, c'est que les gens ne nous découvrent pas plus rapidement. Il y a des tas de... Enfin, on voit les films... On voit les films autour de nous, tout ça. Quand je pense que... Parmi nous, il y a des prix d'interprétation... Ça fait 10 ans déjà qu'on le lit, ça, et personne ne nous a encore donné prix. Vous, Romain, c'est pas vous qui travaillez plus, c'est pas vous qui écrivez plus que les autres, non? Merde. Il y a une époque. Si, il cloue beaucoup. À chaque fois qu'il y a un truc qui casse dans la boîte, on peut dire qu'il est là avec son marteau. Ouais, c'est surtout là. C'est un cloueur de fond, vous voyez. Oh là 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 là. Comment peut-on travailler sans ossature? Merde, essayez. Attendez, je vais vous faire une démonstration. Voilà. C'est tout mou. Y'a rien dedans. Et là encore, 6 mois de préparation. Quand on est obligé, les choses se font, voilà. Alors l'avantage des chefs et tout, c'est qu'on peut décliner sa responsabilité parce qu'on a une fonction. S'il n'y a plus de chef, on a toutes les fonctions. Alors affolement, mais affolement de 80 personnes, vous voyez la force que ça représente. C'est plus fort que l'organisation. Mais il y a des moments où on trouve les choses sérieuses, par exemple, comment ça se passe pour le partage de l'argent? C'est pas sérieux du tout. C'est pas sérieux. Amen. Alors voilà. Hop là. Merde, mais moi je suis en train à cause de la télévision, je bouge pas. Oh, j'ai vu ça. On n'a pas le droit d'y replonger deux fois. Qui c'est qui m'a invité? Regarde, tu as pris tout le cœur. Ah, j'ai que des billets de 1000, moi.